Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un Coliseum avec un nouveau perso que j'ai créé il y a à peu près 2 heures. Il s'agit d'un Zobal de niveau 61, capricieux avec un S. On va faire un petit colis, donc je suis avec deux EK niveau 104. En face j'ai un Kra 122, un Steamer 84 et un Kra 86. Bon, c'est encore une fois c'est super équilibré à ce que je vois. Mais bon, Pix, notre EK, se déco dès le premier tour, donc équilibrage 0. Ils ont tous plus 60 niveaux en plus que moi. C'est quoi ce bordel? Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Normalement, je gère pas mal. Par contre, c'est que des persos terre en face. Là, par contre, je vais ramasser, parce que j'ai moins 50% en terre. Mais je tape pas mal du tout, hein, je vous préviens. J'ai plus de vita que l'EK qui est niveau 104. Ah non. Si. Enfin, pas grand chose en plus, quoi. Alors, il se fait un contre-coup, il invoque son chaton. Alors, mon plastron, j'ai plus ou moins 260 avec. T'as oublié de remettre la panne sur le sacré. Alors, le steamer, que fait-il? Il a pas mal de vita, à mon avis, il est full vita le steam, à moins qu'il ait un bon stuff. C'est possible, hein, parce que moi je suis full agi. J'ai 558 d'agi. Mais comme mon stuff est over vita, ben, ça me donne pas mal. Alors un petit plastron. On va y aller à la barbare. Voilà, c'est comme ça qu'on joue, hein. Moi j'ai compris un Zobal en tout cas. Et même c'est comme pour toutes les classes, hein. Hier j'ai essayé LOL, je suis un gros bourrin dans tous les jeux que je fais apparemment. Mais bon, c'est pas grave, lui, s'il bouge pas de trop, je devrais pouvoir l'atteindre. Ils ont pas de moins Rizzy R, heureusement, parce que sinon ils auraient pris cher. Oh, roulette de PM, ça c'est cool. J'ai l'impression qu'on est tous des persos R dans notre team. Non, c'est un perso terre, j'ai rien dit. Il a fait un petit pilou. À 109. Et prochain tour, j'espère que ça va roxer. Par contre, comment ça se fait que j'ai perdu de la vita, moi? À mon œil, j'ai de l'érosion. Enfin, ça doit être ça, j'ai de l'érosion avec... Ah, c'est que un tour, Fougue. D'accord, je savais pas ça par contre. Je découvre en même temps que vous, hein. 10% de bouclier. Ajoute un bouclier sur tous les alliés et ennemis. Ouh, ça fait mal, ça. Ouh, ça fait très très mal. Restez en zone, s'il vous plaît. Et vous allez prendre très cher. Ouais, mais non, niveau équilibrage, c'est vraiment n'importe quoi ce jeu, c'est exagéré. On va rester comme ça pour apprécier un peu la map, parce que c'est pas très joli. On va se mettre en transparent, comme ça on verra tous les persos, voilà. Alors, que fait notre EK, celui qui est loin? Il a plein pas de PM. Te mets pas devant moi, hein. Ça va, il s'est pas mis devant moi. Ouh, il a pris cher le crâne. Voilà, si je survis à mon tour, le crâne, il devrait être vachement bien entamé. Là, on a un steamer haut en face, apparemment. Il tape pas mal avec longue vue. Avec écume, pardon. Gardienne sort de l'état longue vue. Ok. Ne bouge pas. On va y aller à la cabriole.
Voilà, 190. 234 et on se met pas loin de la gardienne. Limite, non, on va se mettre à leur cake. Comme ça, il va perdre des PA pour pouvoir se casser puisque je le tacle complètement. Voilà. Là, par contre, je vais prendre très cher, je pense. Il faudrait qu'il me fasse une chance EK. À moins que je crève hein, directement. Ouais, non, ça va. Si seulement je pouvais tomber une fois contre des personnages de mon niveau, putain que ça serait bon. Hein. Viens me faire une chance EK s'il te plaît. Chance EK s'il te plaît, t'as pas compris. Au contre-coup, ouais. Ok, le gars, il en a rien à foutre de ma gueule, en fait. Et voilà, je risque de me prendre. Même pas, je l'ai pas pris sur moi, c'est bizarre. Après manger l'anneau. Voilà, le cray est mort. Fais-moi un contre-coup ou n'importe quoi. Histoire que je reprenne de la vie. Et ils veulent vraiment pas que je vive, hein, c'est grave. Bon, le chat va un petit peu me soigner, mais... Voilà, pris 200 de soins. Si le steamer me tape fort, ouais, non, je vais crever. Je vais crever. Oui, oui, oui. Voilà, c'est officiel, je suis mort grâce au superbe jeu en team de, ma team. Merci. Alors, notre EK qui est près de la gardenne, donc il va recevoir des soins, ça c'est cool. Même s'il en a pas trop besoin, mais bon, il va être soigné, voilà. Il a la flèche punie. Je vais se mettre en tactique pour voir si c'est la placée. Oui. Je crois qu'on peut enlever ça. On voit plus ou moins où il se trouve. Je sais pas du tout dire quelle va être la... Voilà, il s'est pris deux punis en un tour, notre EK. Il est pas très opti parce qu'au niveau 104, avoir une cape d'un don, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'il faudrait qu'il s'acharne un peu plus sur le steamer. Parce qu'il fait assez mal. Voilà, chou, destin des cas flip. Et il va se prendre les dommages. Voilà, parfait. Encore. Voilà. Moins 4 PM, il sait rien faire. Pendant deux tours en plus. Avec notre autre EK qui va taper pas mal, je pense. Il a 11 PM. C'est peut-être un bug d'affichage. Voilà où c'est ça, la griffe de Sengal. Deuxième. Ah, il reste 40 PV. Il va le bloquer au cac. Malheureusement, le Steam va avoir encore un tour. Il saura pas se faire soin. Nous, notre EK, il se fait... Oula, 241 de soins. Les équipes qui restent quand même une superbe classe. Moi j'adore en tout cas. Avec les petits chatons qui soignent vraiment beaucoup. C'est con parce que notre Zobal il gère pas mal. Hein. Il a fait beaucoup de dommages, vous avez pu voir. Mais bon, on tombe pas avec des gens de notre niveau. Donc c'est pas toujours cool. Il a fait courant dessus. Ouais, le steamer. Il a perdu plein de PM. Moins 4 PM et moins 4 PM. Alors c'est autour du Kra. Le Kra lui par contre va pas durer longtemps, je le sens bien, puisque notre nos EK par contre je comprends pas comment ça se fait. À mon avis c'est un bug d'affichage, c'est pas normal qu'ils aient autant de PM. 11 PM. Il n'enlève rien avec la griffe de Seungal, ça c'est cool. De Cinglante, pardon. Je peux être dans ta guilde, je suis. BL.
invité dans la guilde. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, la Capi Academy, donc la guilde source humaine, c'est toujours active. Les niveaux 24, c'est mon sacré qui est meneur. Il y a tous mes persos sauf mon roublard, parce qu'il est dans Midgar. Voilà, il le tue. Maintenant, il va se rapprocher. Voilà, un destin des cafés qui fait vraiment bizarre. Hein. Il attire et il repousse. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. Une petite flamiche. Alors, roulette. 40 retraites PM. On a plein de PM. Allez, deux griffes de Sangal. Boum, un CC 310. Le chat qui continue de soigner parce que notre Ika, il est... Bon, il va crever en fait. Mais il a la grosse punie. Je crois qu'il va la claquer sur l'autre Ika. Ouais. Ou 300. Ouais, 360. 393. Voilà, je vais arriver. C'est pas énorme. Ouais, il termine même pas l'autre notre Ika. Il va le terminer à l'aise. Allez. C'est un DK 200. 210. Roulette. Retraite PA. Et décale-toi, voilà, comme ça Pix peut terminer. Je prends quoi comme cake? Level 60 terre. Voilà, bon, on passe niveau 62, ça c'est cool. Donc niveau PVP belge, je vais essayer de refaire pas mal de colis avec, avec mon Zobal. Puisqu'il a l'air d'être assez cool, surtout qu'on est en train de faire entre guillemets une team de 3 niveau BL. Et franchement ça peut être cool, surtout je prends 1 million par colis, quoi, c'est un peu abusé. Est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a 200 d'Algi? Non, je pense qu'on peut encore continuer à monter, à moins qu'on monte la Vita. Ouais, on va monter la Vita maintenant. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On se reverra bientôt, peut-être avec le Roublard ou le Zobal ou encore d'autres persos en Coliseum, je ne sais pas. Mais bon, moi je vous dis au revoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers en dessous de la vidéo, s'il vous plaît. Et de mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Allez, salut les amis.